Bonjour, c'est Gadu, bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 22 du Let's Play de Rock Simulator 2 en compagnie de Rick, Farah, Huawei, TVH et Hasbro. Bonjour. Qui c'est qui a dit bonjour? C'est ta première vidéo? C'est moi, oui. Coucou toi. T'es pas habitué, oui, ou quoi? Non, mais Huawei, ouais, elle est perturbée, elle a des mal de famine. Ah, elle est perturbée, c'est elle qui est devant, donc je dis pas les dégâts. Elle est devant, elle a Hasbro et TVH dans sa cabine, elle est perturbée la pauvre. Oui, t'as commencé, Hasbro qui a fait. Arrêtez de toucher à son creeper aussi là. Bon, bref. C'est comme ça que t'appelles ça toi? Bon, bref. On va arrêter. Eh hey, Farah, tu me laisses passer. Tu me laisses passer. T'as déjà, tu vois, il y a une. Comment ça s'appelle? Un truc à béton là qui me laisse passer. Comment ça s'appelle? Une toupie. Tu me laisses passer, c'est gentil. Et j'enlève le frein à main et c'est parti dès maintenant parce qu'on a un peu de route à faire. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur un trajet Roumanie-Turquie et on a fait près la moitié à la dernière vidéo, mais il nous reste l'autre moitié forcément à faire. On va pas toucher le poteau qui est ici là. Voilà, c'est bon, ça passe. Donc on a résolu nos problèmes qu'on avait à la dernière vidéo, je vous inviterai à aller la voir justement, il y avait un problème de synchro et de véhicules qui disparaissaient, en l'occurrence là on voit tout bien. Alors oui, il est parti devant, elle file déjà, hein, à mon avis. Plus il y aura du dégât. Mais bon, non, on va beaucoup rigoler. J'attends, je suis à 50 km/h, ça comme ça. Le premier par APK, c'est pour elle de toute façon. Alors pour les viewers, je vous rappelle qu'on a Roumanie-Turquie à faire, on est au bord de la Roumanie, on vient de passer Bucarest, et donc on va rentrer. Il nous reste 566 km pour aller livrer nos 20 tonnes d'emballages à Istanbul. 20 tonnes de tonnes hein, quand même. Et on va passer par la Bulgarie, c'est ça qui m'intéresse, mais c'est voir la Bulgarie, puis après la Turquie évidemment. Et tout ça pour la maudite somme de 24 000, putain 24 000 seulement en fait. Putain, je crois maintenant. Oui. Bah oui, elle avait rien tout. C'est 24 053 euros. Il y avait moins, il n'y avait pas plus. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc pour Huawei, ça fera 1800 euros. Je lag un peu de mon côté, je sais pas, si mon PC ou pas, mais j'ai des lags. Ah, en négatif, ça vient de passer. Ça vient de passer. Ouais, moi aussi, je viens d'avoir un lag. Il y a un camion à la con qui est en face. Mais qu'est-ce qu'il fout sur la troisième file? Ah bah alors. Et il s'est mis derrière moi juste pour voir si, ah, j'avais, il est beau son si Renault. Je faisais des conneries. Hein. Oui, il est beau son Renault orange, Rick. Moi j'aime bien ce camion Renault là, il est beau. Hein. Je trouve que les camions Renault ils sont magnifiques. Après je sais pas s'ils sont bien au point à l'intérieur. Voilà, dans la prochaine vidéo je vais peut-être prendre mon Renault moi tiens. Mais je trouve que Renault c'est, ils sont vraiment beaux les camions. Hein. Encore une fois après c'est chacun ses goûts. Je viens de couper la priorité de voiture mais je m'en fous. Je suis au oui. Et puis je vais en vue intérieure parce que là je suis en vue extérieure jusque là c'est pas respect. Alors on rappelle aussi qu'il y a le fameux jeu qu'on fait à toutes les vidéos. Il n'y a plus concours. Il n'y a plus concours. Mais non, je me fais enculer par TVH après. Voilà. Donc, le jeu, c'est, je vous rappelle, de trouver le film duquel est issue la réplique qu'on dit en vidéo. Donc là, on va vous donner la réponse de la dernière vidéo. Ça vous convient? Pas? Oui, non. C'est des doigts, Gadu, hein? Oui, alors, oui, c'est. Oui, c'est... Éléonore. Alors, j'avais dit, on a vécu un tas de trucs, Éléonore, et dans l'ensemble, c'était pas génial. Mais je te promets que si tu prends soin de moi, je prendrai soin de toi. Ah oui. Alors, je trouve que c'est une belle phrase, parce qu'en plus, que vu comment il le dit, puis moi j'aime bien l'acteur aussi en question. C'est Freud. Que... Il parle à une Alors, voiture. Est-ce que Hasbro, TVH et Huawei ont une idée du film? Non. Pas non. Du tout. Oh les gamins. Exactement. Ouais, bah, c'est le film à 20 ans. Ça me saoule. T'as vu 20 ans. Il s'agissait de 60 secondes chrono. Avec Nicolas Cage. Et l'honneur, la Ford GT500 là. Non, vous l'avez pas celle-là? Nicolas Cage. Ford Mustang. Ouais, enfin, là, c'est une Shelby. C'est la Shelby Mustang, oui. Ouais. En fait, par Shelby, ouais, tout à fait. Non, vous la voyez pas celle-là? Qui a existé, elle est vraiment. Bon, elle était un peu plus. Bon, t'as vu plusieurs des Shelby Mustang. T'as vu, face à Il y en a encore actuellement d'ailleurs. Non, mais il y en a plein. Les nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, ouais. Un peu comme les Abarth pour. Shelby est un préparateur, ouais, tout à fait. Et il y a même, ils refont d'ailleurs la Shelby de 67. Il y a des entreprises licenciées qui s'occupent de refaire cette Shelby. Alors, évidemment, un peu tunée parce qu'il y a eu tellement de versions que voilà. Donc, du coup, on peut la retrouver à 200 000 dollars, entre 150, je crois, le prix de base, et 250 peut-être même. Ce qui est quand même assez élevé. Mais on peut passer de 500 chevaux à 900 quand même. Hein, la plus, c'est 900 avec un compresseur. Je dis pas le bruit, d'ailleurs vous pouvez trouver des vidéos sur internet, hein, la supercharge là, qui fait un bruit là, comme ça là de... C'est quoi cette route de merde? Un petit sifflement là, très aigu. Je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on est dans une zone assez industrielle là où il n'y a pas encore de marquage. On est entre deux autoroutes, ils n'ont pas fait la jonction encore. Il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de... Ouais c'est ça. Ah, Bulgarie, Ruse, on va à Ruse. Ouais. D'accord. Oui, après un virage un peu serré. Attention, on arrive à la pesée.
On était papiers, à Glurgui. Papier biteux. Ah, je freine pas ça en oui. fait. Le pesée ou les papiers? Les deux. Ah, ils ont pas partagé les frais. Regarde pour sur, faire ta, le regarde sur ta minimap, regarde, il y a un petit bonhomme qui fait les papiers et il y a la balance. Ah, quoi? Ah, exact. Ah, il y a un petit souci. Exact. On y arrive dans un instant. N'oubliez pas de rouler au port. Dégâts de la semi. Ah oui, c'est parce que moi qui ai frotté, excusez-moi. Regarde, je me suis mis sur le. J'ai frotté sur le rond-point. Ponctoul de Frontera Giorgiu. Ah, ça veut dire poste frontière. T'as vu, je sais. Traduit. T'as vu ça? La pesée sur les voiles les plus à droite, Huawei. Ouais, donc je sais pas si t'as. Ceci, elle est bon, elle est bon. D'accord. Elle peut passer. Elle est bon, elle est bon. Ah, elle est bonne. Et couloir 6 et 7. Hasbro vérifie qu'il est au droit, je pense. C'est pas là qu'il faut s'arrêter là, c'est pas là. Non, c'est soit à droite, soit à gauche, enfin, soit chez sur le voisin. Procéder au pesage dans l'une des voies les plus à droite. C'est après alors, c'est pas là, là où je suis. Mais non, c'est après. Votre poids est de 36 tonnes, vous pouvez poursuivre. Voilà. Ah, déjà c'est bon. Tout est en ordre, bonne route. Et 6 et 7, bon. Les marquages, c'est écrit au sol. Bien, je suis dans le régal. On a tous pris la 7, mais... Je peux sortir mon joint, c'est bon. Contrôle douanier, c'est parti. Vérification des papiers. Paper, please. 35 tonnes. On fait tous 35 tonnes, c'est bon? Ouais, ouais. 36, moi je faisais, moi. 36 fois 8. T'as pris du 36 fois 8 aussi, on est d'accord? Ouais, 36 fois 8. Oui, 36, ouais. C'est parce que je pèse une tonne. Ah, donc tu vois, c'est pas 35, alors c'est soit. Et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce fait la golf là? Passager. Ah oui, moi j'ai deux passagers. Elle a un passager, deux passagers qui font une tonne. C'est quoi ton excuse, Gadu? Bah, il y a pris du dessert, c'est ça? Ils sont deux aussi, ils sont deux. Non, c'est pas ça. Et Gadu et son ventre. Moi j'ai une tonne de shit à l'arrière, moi, ça te pose un problème? Ah bah voilà. Il est beau ce pont. Il est beau ce pont avec des piliers là, c'est sympa. Alors là on arrive en haut. Regarde, ça y est. Ah, à l'arrière, il y a l'entrée du pont, il y avait deux immenses piliers. Que tu retrouveras certainement à la sortie du pont. Il y a encore des papiers. C'est même une collection de piliers. Hein. Il y a plusieurs piliers réunis. Oui, regarde sur le côté. Ah, il y a le train en vue extérieure. Il y a le train qui passe en dessous aussi. Rossé, découvert. Rossé. Moi, je lis Ruse. On va faire un petit tour de manège. Ruse, oh, c'est mignon. Oh, bah, Bulgaria, on peut pas le louper. Hein. Bah oui. En tout cas, C'est magnifique, c'était super bien fait. Ouais. Magnifique ce sympa le pont. Ouais. Ah, Rousset, ah, alors, ils ont changé parce que c'est écrit R-U-S-S-E normalement. Hein. Tu les vois les deux grands piliers de chaque côté là? Ouais, et je m'en fous. Tiens, on arrive en Grèce, regarde. Ah, on va se faire contrôler au rayon X. Ouais, au rayon X, ouais. Ah, ça, j'aime beaucoup les rayons X. Ah, oui. Par contre, vous passez vraiment. C'est où? C'est à droite? Ouais, c'est à droite, c'est à droite. D'accord, parce que alors, moi je vois rien, je me suis mis en vue extérieure pour les viewers, hein, pour qu'ils voient un maximum d'images. Donc là, c'est bon, pas la peine de vous cacher sous le fauteuil, les gars, hein, ils vont vous voir. C'est ici les rayons X là, c'est où on passe? Oui, c'est non, ça, ça. C'est ça. C'est et après, tu restes bien sur votre droite. Un chauffeur, deux mecs, c'est pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Non, c'est là où on passe, à contrôle. Oui, vous pouvez continuer. Qui épouse la forme du fauteuil, mais qui ne sont pas des fauteuils. Tu restes bien sur votre droite. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a sur la voie droite? Parce que sinon, sur votre gauche, la voie de gauche, et après, c'est pour les véhicules légers. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Je déborde un peu. Oh, c'est un péage. T'as oublié le frein à main. Ah, oui, t'as tapé à droite. T'as tapé, peut-être. Ouais, c'est un peu court le passage. Oui, elle est passée à 20 km. C'est pas pris un peu tôt, j'étais impressionné. Bah oui. Je peux pas plus reculer, il y a un camion qui me bloque. Ah, Bulgarie! Encore un contrôle douanier. J'ai fait taper, moi. Regardez, je me suis arrêté en à fait, qu'on sort quelques du pays, centimètres. Et après, on rentre. Péage payé, c'est parti, 10 euros. Allez, boum. On y va. Tu t'en sors pas? Donc 10 euros pour 100 mètres et après, rebelote. Bloqué. Ah. Mais pas son mode, tu sais, mais le V là, comment ça s'appelle là? Ouais, le V, le. Différentiel. Non, pas différentiel. C'est différentiel, c'est pas. Ouais, mais recule plus, enfin, recule plus. Allez, contrôle. Viens jusqu'à. Alors recule jusqu'à moi. Attends un petit peu. Contre-braque. Je passe en vrai. Tu vas te coincer de l'autre côté. Allez, on tourne complètement à gauche. Voilà. On recommence. Bon, moi je suis passé. Hein. Je sais pas où on est, Huawei. Non, mais je suis devant toi, Gadu. On est au milieu de trace. Hein, vous êtes pas. Ah. Mais non, je trace pas, je suis à 30 km/h sur 80. Ouais, mais eux ils sont de la Terre, ils sont toujours au passage. Mais justement, je suis à 30 km/h pour qu'ils me rattrapent. Là t'es passé. 27. Je vais voir si je peux reculer encore un peu. Il y a un stop, mais c'est pas une bande blanche, c'est marrant. C'est un stop. Ouais, c'est bon, tu passes. Ah non, c'est la voie en face. Tu vois qu'elle est juste là. Merci Eric.
Mais moi je file aussi, hein, parce que moi je. Heureusement que j'ai bloqué parce que derrière là il y aura. Ouais, ça colle plus là. Il faudra manquer que les gens de notre convoi ne nous ont absolument pas entendu. Bah c'est Wowie. Oh là là, je m'arrête. Vous pouvez poursuivre. Sur le bas-côté, sur le bas-côté. Mais pas sur la route, oui, mais sur le bas-côté, c'est sablé, c'est bizarre là. Vous avez rien vu, les viewers. Vous avez rien vu. J'ai fait n'importe quoi, je suis passé à travers le rond-point. Oula, Gadu ralentit parce que du coup, Wowie est devant toi. Gadu a pris un rond-point tel un américain. C'est ça. C'est... Je suis passé en plein milieu, j'ai pris des dégâts et tout. Là, Arrête-toi, Wowie. Oui, par contre, quand on est sur le bas-moment, faut s'arrêter quoi. Mais oui, voilà. Mais c'était pour attention. Me positionner. Ping. Oh non, je suis loin, j'ai de la marge. On attend pour un café ou quoi, messieurs dames, là ? Ouais, profitez-en. Bah non, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est pas... Bon bah, une petite pause, hein. Elle est chiante, quand même, hein, David. D'où tu sors ça ? Y'en a qui ont la tête de... Mais y'a un péage, en fait, entre... Entre oui, les deux douanes et un péage. En fait, c'est ça, c'est blindé de douane. Oh là, il y a un camion qui... Non, c'est un bus, là, qui est derrière. Non, c'est un camion, je crois. Ah, je sais pas, il a fait un... Oui, il est un peu bourré. Ouais, ah il non, a fait un truc bus. Très bizarre, ouais. Non, c'est un bus. C'est un bus, hein, oui, d'accord. C'est un bus, ouais, c'est un bus. Ouais, le bus, il a fait une espèce de drift sur le rond-point, là. C'est dangereux, la Bulgarie. Bon, vous en sortez ou pas du tout? On arrive. Ou pas du tout. Bref, on va peut-être reprendre le temps qu'ils arrivent, peut-être, Wowie, hein, parce que là, je pense que... Mais non, on va se faire choper, vas-y, avance. Oh là là. Après, tu vas être en retard, de toute façon, t'inquiète pas qu'ils vont nous rattraper. Hein. Eux, ils ont le limitateur, mais sauf qu'ils sont toujours calés à 90, alors nous, on doit jouer, je te dis, à mon ami. Hein. On va être à la traîne, après. Comme bon, je sais pas ce qu'il y a à gauche, c'est quoi, c'était un concessionnaire de voiture, c'est quoi? Ça suit éventuellement ce qu'on fera, oui, on s'arrêtera dès qu'on pourra dormir. Je sais pas où t'en es, toi, mais moi je suis pas mal. Ouais, j'ai le lit, j'ai pas la personne quoi. Bah, moi, j'ai conduit derrière. Moi j'ai la moitié de la personne. Après, donc, oui, il va falloir, Vous auriez pu éviter de vider les poubelles pendant que vous étiez arrêté là, il y a plein de déchets sur le bas côté. C'est pas nous, c'est ça, à mon avis, c'est le décor. Des sacs plastiques, des petites bouteilles, etc. Là. C'est pas nous, c'est le on décor, c'est j'imagine toi. Bien quelqu'un. On sait que c'est toi, parce que malencontreusement, t'as acheté une croque jaune, rose. T'as acheté un chausson rose, on sait que c'est toi. Eh, hey, ma croque orange, tu peux la récupérer s'il te plaît. J'ai ouvert la fenêtre parce que d'un coup il faisait un petit coup chaud, d'un coup il était parti. Maintenant je me retrouve avec le pied gauche au nid. Oh, tu feras attention à tes affaires. La virage chérie. Ouais. Enfin, à la fin il va faire une fois, pas deux. Oh, il y a des petites routes là, et ils ont bloqué, j'aurais bien pris la petite route là. Il y a un micro doré sur une affiche. C'est magnifique. Un concours de chant. This is the voice. Ça suit ou pas derrière? Mais ouais, t'inquiète. J'ai cru voir un camion vert, mais je suis pas sûr que c'était Farah en fait. J'ai cru voir un gros minet, moi, t'as qu'à voir. Ouais, c'est ça, moi j'ai un doute. J'ai cru voir un gros minet. C'est la Bulgarie a un incroyable talent. Ah, Gadu, à droite, vous arrêtez. Incroyable conducteur. Oui, on s'arrête à droite là, Oui. Ouais. Bah, oui, je sais pas si c'est forcément nécessaire, mais au moins ça nous permettra de temporiser le temps que les deux zouzous arrivent là. C'est quoi en plus qu'on a. Tu as ton cul, Gadu, hein? Ah bon? On est là? Bon, on s'arrête pas du coup, oui. Ouais, c'est bon. Il faudra s'arrêter plus loin donc. Oui, c'est ça, puisqu'on s'arrête, allons-y. On pourra pas aller jusqu'au bout sans dormir. Oui. Limité à 20, attention hein. Tu peux où est-ce que c'est qu'on doit. Je sais pas, au milieu. Mais, au milieu, je crois que c'est au milieu en fait. Hein, c'est, enfin, je crois qu'il fallait rentrer en fait là. T'es pas au bon endroit, oui, hein, à mon avis. Il faut juste aller là, il y a plein de places. Ouais, tu vois, on peut s'arrêter direct et faire. Oh, y'a un. Ouais, c'est pas grave, je ferai plus tard. Allez, un café. C'était de l'autre côté en fait, c'est ça la blague. Tu t'es mis côté voiture alors qu'il y a un côté camion. Bah oui, je sais. Bah peut-être que tu peux. Hey, quand tu quittes là, mets-toi juste au bord, oui. Ça devrait marcher. Ouais, tu fais mais un petit... il me fonce dedans. T'as vu, à ce moment, c'est pas moi là. Non. T'as vu, c'est lui là. Oui, mais il te fonce dedans, tu pouvais ralentir, tu pouvais mais tourner. Non, je passais, il me fonce dedans. À ce moment, t'as vu, t'es surtout loin. Qu'on n'a pas les. Je te trompe un peu. On a pas le gosse là. Ah, eux, oui.
Ça marche ou pas alors, Bobby? Ouais, c'est ouais, ça marche, tu vois. Juste sous le bord, comme ça. Et c'est un sacré bordel, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le nombre de voitures qui arrivent, le nombre de voitures qui repartent, c'est... C'est un supermarché. C'est peut-être un peu normal, non? Vous partez devant, vous voulez pas que je passe? Si, mais t'inquiète pas, en fait, c'est passé, mais... Comme il y a pas mal de voitures... Parce que là, il y a un camion, tu vois, qui arrive, là... C'est pas évident, attends. Ok. C'est un grand centre commercial. Soyez prêts, hein. C'est un grand carrefour. Voilà, maintenant. Pourquoi la voiture devant moi a les warnings? Et à Huawei, elle a peur. Elle l'a reconnu. Faut laisser passer Huawei au fait à gauche. Hein. Puis là, il roule. Ah non, c'est celle de la CB. Attention, planquez-vous. Ils sont lents, mais ils sont lents. Vous voulez que je passe? Les voitures sont lentes. Ouais, vas-y, passe. Fais le double. Vas-y, double, hein, oui, double. J'ai fait de la place. Ouais, bah attends, faut que j'essaie d'opter entre les voitures et toi, là. C'est bon, ça suit derrière. Rick, t'en es où, toi? Oh wow. Non ça... Non mais oui, tu fais n'importe quoi, là je suis désolé, mais là c'est n'importe quoi. Non, je t'ai laissé passer devant, je t'ai pas laissé passer, c'est quoi ce zigzag que tu fais, là? T'as pas demandé de faire ça, hein? Ça va, oui, mais écoute, c'est les voitures, ouais, là, c'est pas mal. Alors Rick, rien à foutre, t'as les deux effets. C'est que, y a un truc pour dépasser tout à l'heure, oui. Désolé, Farah, je sais que t'es à ma gauche. Voilà, il faut que je passe, et là, voilà. Ah putain, il a arrêté la voiture devant moi, là. Je sais, je m'en doutais quand j'ai fait ça, tiens, je suis bloqué. Radar devant. Il double à droite. Ah ouais, non, j'ai fait la totale, là, j'ai fait la... Tiens, puis encore une autre voiture, ça, tu comprendras. Allez, bah, c'est bon. Il y a un radar, mais on est bien, Rick, hein. J'arrive pas à accélérer, j'arrive pas à monter à 80, déjà. On pourrait me régler, hein. Et maintenant, je suis la dernière. Il est au bout de la ligne droite, le radar, justement. Bah je suis à 74, donc j'ai limité à 80, donc c'est bon. Oui, comment ça se fait que t'étais devant et t'es encore derrière? Bah parce que tout le monde est passé devant. Je sais pas ce qu'elle se prend les voitures. Non, je me prends... Mais t'as vu, je me suis rien pris, là. Je sais pas ce qui est fait, en fait. Attention, Rick, là, c'est un peu sec, ton virage. Tu fais encore du deux roues? Mais laissez-moi passer, aussi, là. Bah double, rattrape-nous. Bah ouais, bah faudrait bien que je puisse, si... Eh ben puisse, ouais, c'était rapidement. Tout à l'heure, hein. On s'arrête pas tous les 5 minutes, hein. Mais je t'ai pas arrêté, il y avait des voitures. Ouais, mais t'es trop hésitant, quoi, oui, t'es trop hésitant. Oh, t'es chargé, donc, hein. Avec les portières. Je suis pas trop hésitant, c'est des voitures devant, je vais pas les foncer, je leur foncer dedans. Je reste en mode extérieur, les viewers, c'est juste pour attends, la côté. Il y a un train à gauche, oui. Je vais passer après en intérieur. Oui. C'est magnifique, quand même. C'est vert, hein, la Hongrie, hein. Ça, bon, là, c'est pas trop cool. La Hongrie, on est en Bulgarie. Oh, ah, Bulgarie. Oula, oh, il y en a qui sont endormis en volant. Aussi, c'est vert aussi. Félicie. Tu sais quoi? Il y a un passage à niveau dans le coin. Hein. Fais gaffe au virage, Eric. Là, tu vas un peu vite. Non, Farah, tu sens la connerie. Toi. Bah oui, ça suit, quoi. Ah oui. Tunnel. T'inquiète pas, ça suit. Tunnel. Tunnel, y'a rien qui vient en face. Vélico, Carmevo, découverte. Ça suit tout. 50, c'est 50. Je lève le pied. Bah, l'ENA est à 8 milliards. Et c'est magnifique, hein, les décors qu'ils ont fait. Je suis désolé, mais la partie est de la map, de l'Europe, est beaucoup mieux que la partie est, quoi. Partie ouest, pardon. Ouest. Ah bah oui. C'est pas photo, alors là. C'est déjà, c'est chez eux. Mais ils sont pas allemands, Ah bah non. T'es sûr? Ah non, ils sont pas allemands, non. Comme gars du feu total. On vérifiera, mais ils sont pas allemands. Je sais plus de quel pays ils sont, mais. Dès qu'on sort sur l'autoroute, j'irai jeter un œil avec mon téléphone. Je vais rien dire pour pas... voilà, mais je sais que c'est pas allemand, non? Ok. J'avoue, je sais pas. Tu m'as mis de doute aussi, là, donc... on va aller voir ça dès qu'on sort sur l'autoroute. Je mets du temps à me démarrer, je crois. Bon, oui, ça suit. Ah, il y a quelqu'un qui a fait un mistouche. Je sais pas si ça se dit. Je suis pas sûr que ce soit Miss. Un Miss Mike. Bah si, miss, ça veut dire que c'est une erreur. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une erreur. Ça fait un moment qu'il fait ça. Ah. Il fait comme Fab, ça y est, c'est parti. Là. Voilà. Ce sera rajouté et amplifié. Bah oui, t'es où? Et au passage... Petit chat. Et avant qu'on oublie, Farah, la phrase Mon du jour... Petit chat, t'es où? La phrase du jour, ta gueule.
On va encore oublier comme il y a deux vidéos. Donc c'est bien ce qui me semblait. On l'a dit, non ? Non, le siège social de SCS. C'est toi qui dois le dire. Enfin, ah, d'accord. Oh. Hey, SCS Software, créé en 1997 à Prague, République tchèque. Tchèque. Donc c'est pas des Allemands, c'est des Tchèques. D'accord, autant pour moi. Oh là, oui, elle est passée. Voilà. Je préférais vérifier avant. Non, pour, t'inquiète pas, elle va être. Dans deux ou trois virages, elle est couchée sur le côté. Justement, je veux voir ça, moi. C'est bon, ça, c'est arrivé que deux fois, c'est tout. Alors, tu voulais une nouvelle phrase, Daniel ? Vous me laissez passer devant, en tout cas, ouais. Vas-y, pour l'instant, vas-y. Je t'ai... Alors, enfin, on t'écoute. La nouvelle phrase pour le jeu concours, qui n'est pas un concours. Très bien. Ce sera donc pour cette fois-ci, attention, c'est facile pour les plus anciens, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les plus anciens, ça peut être facile. La phrase, c'est « Excusez-moi, mais vous urinez sur ma voiture. » Attention, voilà. Excusez-moi, mais vous urinez sur ma voiture. Alors je pourrais même rajouter, comment ça ? Vous urinez sur ma voiture. Voilà. Merci pour Et puis, un petit peu plus tard, vous permettez que je finisse. Vous permettez que je finisse ? Bonne voiture, hein. Voilà. C'est tendu. Eh non, mais attends, tu débordes, là, fais gaffe, il me dit. Oh là là ! Ah ! Il y a quelque chose qui se passe. Eh, alors, Rick, là, tu déconnes. Quelque chose là qui était en train de... Alors là, Rick, tu déconnes. Alors Rick, là, Rick, je peux te dire qu'il le sait parce que tu l'entends plus, il est mort de rire. Alors, je vais aller vérifier les dégâts que ça fait sur mon camion. Parce que quand tu l'entends plus, quand tu l'as coupé, c'est qu'il a relevé le micro ou qu'il en met. Non, je n'ai rien relevé. Là, tu m'as clairement poussé. Là. Alors, personnellement, j'ai rien fait du tout. Deux derrière, j'ai dû faire un face-à-face avec un Renault, finir en portefeuille. Alors, et moi qui arrive et qui lui défonce sa remorque. J'ai rien fait du tout. J'ai coupé le virage parce que j'allais trop vite. Attendez. Ah. Parce que malgré tout, et c'est là où est la chance, devinez, j'ai pris combien de dégâts ? T'as pas dit pas grand-chose, mais je crois que ta remorque, elle a rien pris en fait. Si, 3%. Là. Ah bah moi, je l'ai vu se retourner. Elle a pris 3%. Par contre, le camion a pris combien ? Parce que normalement, le face-to-face, c'est 100%. On l'a fait avec Farah, avec Kaya, pardon. Ouais. C'est 100%. Mais Renault, j'ai pris que 7%. Putain, t'as du bol. Et j'ai rebondi, hein, je sais pas si vous avez vu, mais... Ah oui, mais t'as rebondi, ah oui, bah lui aussi, il a rebondi. Moi, je t'ai vu sur le GPS... J'ai vu s'arrêter et gueuler qui passe en vitesse. Vous avez pas suivi. Il a crié oh là là. J'étais sur la voie de gauche tranquille. Oh là, juste... Y a Rick qui m'a poussé sur la voie. Ah, j'ai rien touché du tout. Si. Madame, alors je te garantis. Ah, j'ai rien touché du tout. Pour tu étais large. Non, tu étais. Alors tu verras sur la vidéo. T'étais en plein sur ma voie. Du coup, moi j'avais plus de voie. J'étais obligé d'aller sur la voie de gauche. Je me suis pris le camion en face. C'est normal. T'étais en excès de vitesse. Non, toi, attends. Qu'est-ce que tu faisais sur la voie de gauche ? Tu devais être sur la voie de droite, toi. Bah, il était en train de doubler. Non, mais moi j'étais à 80, c'était un peu trop rapide pour. Malgré le panneau. Voilà. J'étais à 80, j'avais le régulateur. D'accord, et donc t'es allé sur la voie de gauche ? Bah oui, j'ai coupé. Moi, pour moi, t'étais pas là, t'étais loin. Ah bon, bah y'a un problème. En fait, alors. Ah bah moi je te voyais loin dans le rétro. Ah bah moi je t'ai vu gicler après, j'ai rien compris. Alors je te garantis quelque chose, Rick, c'est que mon camion était au haut de ta remorque. Était juste derrière le tien, si tu veux, au niveau c'est de. Pour ça que c'est... Sinon j'aurais jamais pris les deux voies si j'avais vu que t'arrivais. Ah bah oui, peut-être. Mais sauf je te garantis que tu verras sur la vidéo que clairement tu m'as poussé, mais sur l'autre voie. Mais c'est flagrant. Y'a aucun doute à avoir, tu m'as bien poussé. Ah bah ouais, voilà. Le pire, c'est que j'ai essayé d'accélérer pour te redoubler, du coup j'ai pris encore plus de vitesse, et donc du coup le choc avec les camions en face. Voilà, en fait, t'étais pas à côté. En fait, j'étais. Et c'est après, t'as accéléré pour te mettre à côté. Attends, j'étais un petit peu à côté, si tu veux. Voilà, Non. Essayez de me dépasser encore là. Et Guidu et Farah qui sont arrêtés bizarrement là. Non, on prend notre virage en même temps. Oh, c'était beau, on aurait dit un balai. Ouais, je sais, mais je reste un peu bien à ma droite parce que je te vois dans mon rétro là. Tiens, là par contre, tu vas dégager. Arrête! Quelle chatouille! Arrête tout! Mais arrête de me rentrer dedans, enfin! Je suis devant toi! Dégage! J'ai hâte de voir la vidéo pour voir ce qui se passe. Dégâts 20%, c'est n'importe quoi, Farah. Là, ça nous a coûté très cher, tes conneries. tu vas voir un peu ce que je paye. On se lâche, écoute, ça fait 20 épisodes.
Farah et moi-même sommes impeccables. Voilà, il y a un moment donné, hein. Bon, ah non, là, voilà. c'est n'importe quoi. Pendant cet épisode, ah oui, c'est n'importe quoi. Vas-y, rabat-toi sur moi. 25% sur le camion. Très bah, moi pareil. Moi pareil. Là, tu m'as bien niqué, là. C'est toi. Tu le vois que je me tourne. T'as essayé de passer, il n'y avait plus de voix devant toi. Au lieu de freiner, tu m'as bourré dedans. Non, c'est pas si, vrai. Si, mytho. Les viewers sont témoins. T'es un mytho. Les viewers sont témoins. Bah oui, bah oui. Je demande l'avis des viewers. Après, j'ai essayé de te faire gicler parce que tu m'énervais. Ça, d'accord. Voilà. Mais avant, c'est toi qui as essayé de me bourrer dans le côté droit. C'est faux. Si, ah bah non. Les viewers trancheront. Bah les viewers verront. Et effectivement, les viewers trancheront, il n'y a aucun problème. Voilà. Il va coller les images de Mario Kart. Je vous demande de mettre Team Gadu ou Team Farah. Ouais, exactement. Mettez Team Gadu ou Team Farah, tout à fait. Voilà. Un TVH. Deux. Ouais, vous. Rendors-toi. Vous pouvez mettre Team TVH si vous voulez. Alors là, il y a Wowie qui a encore fait n'importe quoi. Je suis Wowie, elle fait n'importe quoi, elle est dangereuse. TVH qui est dans la couchette. Mais non, je fais pas n'importe quoi. Elle était partie sur la troisième file, Wowie là. Alors TVH, il est dans la couchette. Il est allongé sur la couchette en train de lire un Picsou. Ouais, c'est ça. Ah, là, ça nous a coûté très cher, Farah, avec en plus Café Rick. Tu te fous de ma gueule ? Moi j'ai 20%. Et 11%. Ils vont pas arrêter. Mais vu qu'il l'a acheté à la dernière station service en Bulgarie, du coup il arrive pas, il regarde les images. Quoi. Moi je suis sûr que j'ai plus cher de trajet. Mais non, je suis à la limite. Oui, tu regardes, elle prend le camion depuis tout à l'heure, mais je suis à fond tout le temps. C'est pas compliqué. Et je suis à 82 là. Ah oui, mais oh, la décharge sur la droite, regarde ça, Farah. Les sacs poubelles qu'ils ont essayé de pêcher. Gadu, tu me rattrapes. Ah ouais. Bah, je sais bien, oui, parce que sinon je vais te perdre. Oui, effectivement. Ouais. Mais ouais, t'as vu le problème, ça. C'est la première fois que j'en vois autant dans le jeu. Des sacs poubelles. Farah, je vois même en tout cas, je suis pas loin, mon petit chien, t'inquiète pas, j'arrive. Ouais. Attention, ne pas me foncer dedans aussi, toi. Non, t'inquiète pas, je surveille. Ouais, par contre, tu surveilles, mais bien sûr, avec ce qui s'est passé avec Farah, j'ai pas trop envie. Non, c'est Farah qui a fait le con. Hein. C'est Farah qui essaie de doubler sur les planches, c'est vrai. Je remarque un truc que quand nous on est devant, on vous attend, vous attendez pas. Hein. Non, bah non, vous me faites peur avec vos conneries. Là. Y'a Harry qui me pousse sur la voie de gauche, y'a Farah qui me pousse sur la voie de droite, c'est quoi ces conneries? Ah, bah, d'accord. Moi je pars. Hein. Oui, parce que t'étais censé rester derrière. Ouais, oui, au moins elle est marrante. On ne double pas dans un virage. Ouais, voilà, on double pas dans un virage, les mecs. Ouais, t'entends, Farah? Et Farah, il s'est mis lui, il a franchi la ligne blanche, tu sais. Et après, il essaie de me bourrer à droite pour qu'on passe à deux sur la même voie. Hein? C'est pas vrai, j'étais devant toi au virage. Certainement pas. Bah, tu étais derrière Rick. Et on est pas d'accord. Que devant toi. Ouais, je pensais même qu'il allait essayer de passer. Rick m'a fait hop. J'ai freiné pour le laisser passer. Et au moment où je me suis engagé, tu t'es engagé avec moi. T'étais sur l'arrière de ma remorque. Qu'est-ce que tu foutais sur la troisième file? Et comme tu t'es engagé en même temps que moi, je t'ai dit, oh regarde, on dirait un balai. Et c'est là que t'as commencé à taper. Radar, Farah. Le balai lui tourne mal, c'est ça la petite zucchine. Bah oui, tu speed pas mal. Mais non, je suis à 60. Tiens, je suis à 65 sur 80. Bah là, t'as ralenti là, mais il y a une seconde, c'est pas le cas. C'est dangereux ce que t'as fait encore. Non, mais quoi, c'est dangereux, j'ai rien fait. J'ai un témoin en plus à côté de moi là qui est bleu, en train de se. Ils dorment tous les deux, tu rigoles dans ta cabine là, ils sont endormis. Il n'y en a pas un qui parle. Ils sont endormis sur le côté. Il y en a un qui est en train de lire Picsou et puis l'autre qui est allongé à côté et qui regarde par-dessus son épaule. Non, perso, j'ai fait un malaise moi. D'accord. Tellement la conduite est abjecte. T'as tout raté ce qui s'est passé derrière. Ah bah oui, elle a encore pris un trottoir, moi aussi, ceci, j'ai pas de plainte. Non. Non, la poisson elle a pas pris. C'est rayon X. Contrôler avec succès, je trouve que j'ai été un peu vite pour me faire contrôler. Bon, oui, bah oui, aussi. Et en fait, on va où là? Ben, on arrive en Turquie là, ça y est. Oui. Faut regarder les panneaux, j'ai pas vu ce qui est marqué sur le panneau. Il est 18h. Welcome to France. C'est pas là qu'il faut aller, ça. Attends, c'est pas là qu'il. Je suis voué dans le doute parce que là j'ai un doute. Welcome to China. Bah, c'est là où je suis. Comment ça, des gars de la semi là? Ah, Gadu? C'est le drapeau. Non, c'est pas moi, je suis loin derrière, oui. Non, je suis vraiment loin derrière. Non, bah, y a Farah qui est derrière toi. Farah, c'est Farah. Ouais, c'est Farah. Non, je viens d'arriver. C'est Farah, non, mais je savais, c'est Farah. Ouais. C'est Farah. Je viens d'arriver. Bah, dégâts de la semi, t'es juste derrière. Bah, t'as accroché un truc. Non, j'ai accroché que t'as dit. Oh putain. Bulgarie, y a le drapeau en haut à droite. J'avais pas vu qu'il y avait un truc qui se fermait, je suis passé. J'ai perdu 2% encore là. C'est le drame, c'est le vidéo là, c'est le drame.
Alors, je vais reculer. Ça se passait mieux quand il y avait des desync. Ouais. Et le chien qui dit oui, oui, il dit. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la vidéo, on pourra mettre ça sur le dos d'Asbro, c'est lui, c'est plus qu'il est là. Voilà. Tu fais quoi, moi ? Pourquoi la porte, elle s'ouvre pas ? Tiens, regarde, Huawei, c'est pas moi, là, t'as accroché. Elle s'ouvre toute seule, la porte. Il y a une barrière, Huawei. Bah, moi, elle s'ouvre pas. Mais la dernière fois, c'était pas ça. C'est quoi ce bordel, encore, là ? Bah, t'as cassé la barrière et. Oui, le trottoir. Oui, mais il y a un camion derrière moi là, comment je fais maintenant? Ah bah super. Allez, bim, le trottoir. Alors, là, je suis coincé, mais coincé non, quoi. Avance encore. Eh, j'ai un feu vert moi. Oh, je passe à travers. Je passe à travers, c'est formidable. Je passe à travers. Ah bah, j'ai chié. C'est 36 tout à l'heure, on a perdu du poids là ou quoi? J'ai jeté les sacs de poubelle. Bon, j'ai plus d'heures de merde. On a croisé tout à l'heure. Des mois comme ça. Ouais, il s'est arrêté au Duty Fruity là et. On a. Il reste 210 km quand même. La barrière. Mais non, justement, regarde, je me suis. Regarde, pile, regarde. Ouais, mais justement, en termes de précision. C'est parfait. Bah là, je suis super précision là. Super précision. Oh là, qui c'est qui recule? C'est Farah, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, mais la barrière, elle veut pas se lever devant moi. Avant d'avancer, je voudrais savoir s'il va reculer longtemps. Ah, t'étais peut-être pas bien sur la bac. Pourquoi je me fais pas contrôler hein? On va être complètement sur la bac. Pourquoi je me fais pas contrôler hein? Là, je passe à travers les barrières maintenant, c'est nouveau ça. Je comprends rien. Je vais m'arrêter. Pourquoi y'a un camion qui se met devant moi là? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Genre, il s'est même pas arrêté lui. Ça, c'est une blague, franchement, c'est une blague. Je sais pas ce qu'il a, c'est. Cet épisode, je sais pas ce qu'il a, mais il a un problème. Accident maintenant, ça s'est fait. Ah oui, c'est vert. C'est bon? Eh, moi il m'indique plus si c'est bon ou si c'est arrête pas toi, bon. Enfin... C'est 35 tonnes, non, tiens, j'ai perdu une tonne moi au passage. Ouais, moi aussi. Ah tiens. On a acheté les sacs poubelles. C'est peut-être l'essence. Et les documents, à chaque fois, ils gardent les papiers. T'as sonné. Oh putain. Oh purée, 2%. Arrête-toi, Farah. Mais attends. C'est pas moi, c'est un autre. C'est toi qui as pas taffé. J'avoue, j'ai mal anticipé, j'avoue. Mais par contre, j'ai vraiment pas tapé fort, par contre, c'est vraiment. Suffisamment pour faire 2%. Si t'as 2%, ça te fera rien à la fin. Le jeu est tolérant pour ça. Par contre, les dégâts de 2% sur le camion, par contre, c'est 2000 balles direct. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais pas y perdre de change là, avec tout le trajet avec des conneries de faire. 50%, c'est 50 000 balles. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Asbro, qu'est-ce que t'en penses des camions, faut qu'il les voit? Pas très. Pas mal. Alors, ils sont un peu toutes les couleurs, vert, violet, etc. Le mien, il est beau ou il est pas beau? Il est rouge un peu le tien, non? Juste, il est rouge. Au début, on a vu une cohésion dans la compagnie, et puis progressivement, ça est devenu. Ah, si, la seule cohésion qu'on a encore, c'est la flamme. Ouais. Et on a le même camion au final. Donc heureusement qu'on a toujours le même stickers. Bah sauf Kaya, je crois que Kaya il a même pas la flamme. Si, il l'a aussi. Il a mis une tête de mort avant, je lui ai dit t'arrêtes tes conneries, il a changé. Ouais. Du coup, il a pris un camion jaune avec des reflets rouges. Alors que moi, c'est un camion rouge avec des reflets jaunes. Attention, il y a des panneaux. Il y a des travaux quoi. Elle m'a vu intérieur, les viewers. C'est pas si simple pour vous. Plus sympa. Ah, ils remettent encore les panneaux sur la route. 194 km, ouais, il est mettre en plein milieu. Asbro, elle conduit en vue extérieure ou intérieure? Intérieure. Ah, c'est bien. C'est bien, mon petit chat. Oui, elle était quand même contre sens, c'était des secondes, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est pour les screens, les screenshots que je prends la vue extérieure. Elle est là, le petit chat? Oui. X. Oui, mais non, X, pour moi, c'est. Voilà. Pour moi, c'est les clignotants. X et W, parce que. Ah ouais. Mon moteur s'éteint, ça y est, commence à déconner. 20%, il est 22%, j'ai des gars, 23%. Oh bah alors, t'as fait des bêtises avec ton moteur. Bah j'ai pris la face to face avec un camion, mais ça c'est pas toi qui as eu Rick hein. Non parce que attends, si je peux me permettre. Eh ouais oui si je peux me permettre, toi tu prends des 50% mais toute seule, d'accord? Attends qu'il y ait Rick qui te fout sur la voie de gauche ou Farah qui te pour sur la voie de droite. Alors attends, ça arrive une fois avec moi. Oui. Lui c'est une fois par épisode, pas deux ou trois. Attends, mais je critique pas ça Rick, je dis juste voilà pourquoi j'ai des dégâts moteurs, je te dis pas après. Moi, c'est la première fois avec moi en plus. Avec toi?
Ouais. Et quand tu m'as coincé possible. Sur la glissière de sécurité là. Non, non, mais. Hein c'est la première. Et que tu m'as traîné sur 500 mètres. Et que, putain, et que pourquoi tu... il pile lui. Et que tu m'as couché sur la sortie de voie rapide, la sortie de l'autoroute, Gadu. Je t'ai couché moi. Ouais, sur le côté carrément. T'étais mort de rire. Ah oui, t'étais couché. Ah oui, oui, moi, pas toi. Mon camion il a glissé, il a pris la voie de sortie alors que je devais continuer. Ah, mais c'est pas moi qui t'ai fait ça, si. Non, c'est le chien. Je suis vraiment pas au courant. Oui, l'excès de vitesse. Courant toi. Parce que tu veux bien, toi, je t'oublie, moi. Ouais. Non, mais juste ça vient toujours de passer à 70. Ah, pose de peser encore. Encore ouais. On vient peut-être se faire peser. Ah ouais. Putain, je voulais bien. Voir des poses de peser, mais pas à ce point-là quand même. C'est tout à droite, du coup. Comment c'est pas Oui. C'est là où je vais. Je crois qu'il y en a deux. Ouais. Bah non, je crois qu'il y a que celui-là. C'est que sur un péage, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a que un, ouais. J'ai pas compris le symbole qui est au-dessus, Istanbul, en fait, tout droit. De la voie. Donc là, on est en Turquie. C'est quelque chose, faut voir. On est en Turquie, ouais. Et on est à 147 km. Ouais. Et c'est étonnant qu'ils nous disent pas attention, camion en mauvais état. Violation de l'utilisation d'un véhicule accidenté, 500 euros. Voilà. Bah non. Bah tu l'auras aussi, Farah, t'inquiète pas. Eh hein. Oui, tu rigoles, ouais, t'as combien de dégâts toi? Moi je dois être à 2%, un truc comme ça, attends. Oh, c'est ça, c'est bizarre. F9 Violation de l'utilisation d'un véhicule accidenté, ouais. 500. C'est bon. Ah non. On va noter mon camion, la question Aragon, il roule très bien mon camion. Votre véhicule n'est pas dans l'état technique imposé par la loi. Je suis à 7% du camion. Finalement, c'est peut-être pas un bon plan de venir ici. Hey, t'as pris 7% sans Rick et sans Farah. Allez, donc, 7%. T'es forte. Hein. T'es forte. Et 3% de. Sans Rick et sans Farah. J'aurais plutôt envie de dire habituellement sans Gadu et Kaya. Mais c'est vrai. Tu disais oui. 0% de la marchandise et 3% de la semi. Bah, et t'es en train de me doubler là. Bah, t'es lente, je sais pas ce que tu fais, c'est 90. Oui, bah oui, bah je regardais ce que tu voulais que je regarde. 25 du camion, 13 de la remorque, 0 de la marchandise pour moi. Ouais, bon, bah, moi je suis mort quoi. 0 de la marchandise? Pourquoi on sait que j'ai 10% de la marchandise? Bah t'as... je croyais que t'avais la remorque, t'étais à 15%, je sais pas quoi, tu veux venir. Voilà, non, là, bon, je merci suis, pour hein. Votre coopération. 25, bonne route. 25 tracteurs. 13 de remorque et 0 de marchandise. Ah d'accord, oui, ok, ok. Non, moi je parlais de la remorque, je parlais pas de la marchandise. La marchandise, je suis bien la marchandise. Tiens, arrête. C'est qui est à gauche là? Qui est en train de me faire prendre les voitures dans la tronche là? Oh, bien sûr. Bah c'est ça. Bien sûr, bah tu restes sur ta voie et... Bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Bah, sauf que voilà, j'ai mis mon clignotant prêt à doubler, là je te vois arriver là. Oui, bah oui, bien sûr, bah fallait regarder le rétro. Alors en fait ça marche pas comme ça, Bobby. Tu sauras que le code de la route quand t'as mis clignotant t'es prioritaire. Oui, mais j'étais déjà en train de doubler. J'étais déjà sur toi. C'est vrai que de ce côté là tu peux être prioritaire si tu peux mettre le clignotant, si t'as déjà quelqu'un à côté et que tu. T'as ton code de la route au fait? Bon, oui, t'as quand même pris une voiture tout à l'heure, donc je pense qu'en termes de sécurité routière, t'es pas la meilleure. Voilà! Pompompom! Ah oui, mais j'en prends pas. Fallait pas s'arrêter à la prochaine heure. Il est où le clignotant là? T'as doublé? T'as pas mis le clignotant? Ouais, oui, à droite! Oh la vache! Oui, elle s'est rabattue sur la voiture, ouais, je le vois très bien. Mais non, arrêtez! Si, je l'ai en vidéo, je suis derrière toi. Je suis derrière toi, t'étais clairement rabattu sur la voiture. C'est que tu sais qu'il se penche sur moi? Ah! Dysfonctionnement moteur, c'est parti. J'essaie de redémarrer. T'as vu son histoire avec Kaya, avec Farah et avec Rick, et ça y est, ils sont chants. Non, c'est pas sur moi qu'ils se penchent là. Je penche pas sur toi, c'est pas moi la cible. C'est une réalité, c'est tout. Bon, Istanbul dans 75 km. C'est marrant, regarde, ça passe beaucoup plus sur l'autoroute. Regarde d'abord tes dégâts dans le camion, et puis oui, on verra, c'est on parlera après. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on coupe la radio? J'ai la radio qui s'est mise en haut, sa gueule, c'est une horreur. C'est pas R, non? Ah, ça veut pas. Oh, le deux roues, ah oui, ça c'était magnifique ce que t'as voulu faire là. Ah, j'aurais été éclaté que tu tombes sur le côté et que tu te fasses 50% d'un coup. Alors là.
Enfin, tu glisses, après tu tapes au bureau, tu peux faire sa livraison dans les délais. Assurez-vous d'être à l'heure. Bon, on est bien, il reste 60 km là. Et on en excès de vitesse avec Owi depuis tout à l'heure, elle est à fond, hein, parce que j'arrive pas à la rattraper, donc elle est à fond. Alors, je vous livrerai lundi entre 16h16 et 22h56. Il nous reste 2 heures pour livrer, Owi. Mais c'est bon, il y a 50 km. Bah, ça va. Enfin, ça, il va falloir piloter quand même en ville, hein, parce que je te garantis que c'est la ville. Oui, ça m'est garanti. Pour moi, heure prévue d'arrivée, 22h22. Il est 22h22. Moi, j'ai 21h51. Les flics, sans l'amende. Mais il n'y a que moi qui vais la prendre, celle-là, tu vois. Non, personne, en fait. On passe à côté, comme ça, vite fait. Bah ouais, ils ont arrêté quelqu'un, déjà. Allez, ouais, oui. Tu vas ralentir là, pourquoi? Bah alors, tu. T'es excès de vitesse, Kato? Alors, t'as vu, regarde, je suis à 92, regarde. Je suis à 103, ouais, mais moi j'ai une livraison. Attends, déjà que je vais perdre beaucoup de sous. Ah, t'as la pas raison, de moteur, pas de moteur. C'est pas de moteur, je cherche pas, je suis en train de descendre en vitesse donc. Oui, y'a que lui qui doit livrer. Voilà. J'ai une livraison à faire, bah ah oui. Rien à foutre des autres. Doublation par la droite. Doublation. La doublation par la droite là, c'est interdit. Genre, ça. Mais tiens, elle va passer devant, elle va passer devant, tu vois. Mais doublation par la droite. Je reste sur ma voie là, c'est tout, j'avoue. Istanbul. Istanbul. Ouais, c'est bien, on arrive à Istanbul. Ah, on est en France. Non, c'est pas ça, on est pas en France. Non, pas vraiment là. Ah. On est bientôt en Europe, mais. Ouais, c'est du pilotage là! Il y en a un qui prend son aspiration, c'est que ça pue du cul, moi je te le dis! Elle a failli, mais là, en fait, le mec devant. Alors, là, c'est plutôt la faute du mec devant. Le mec devant a pilé et elle a failli se prendre le bout de sa remorque. Et je sais même pas comment elle fait pour pas se la prendre. Attends, au passage, c'est magnifique! Non, attends, je suis la meilleure, vous savez! Rick nous avait conseillé son route de nuit! Piloté, là, hein, comme dit Gadou. Oui, il y a des particularités qu'on n'a pas chez nous. C'est que il y a des lumières. Il y a de la lumière, de la couleur aussi. Bah pour le coup là. On peut pas les louper là pour le coup. Hein. Bah pour le coup là on n'a pas grand chose. Il y a du conduit bourré aussi. Ah non, ouais, enfin, j'essaie de prendre des screens pour info. Où c'est qu'on tourne à droite? Pas maintenant, Gadu, pas maintenant. Tu restes sur la voie du milieu. Parce que là, j'essaie, tu vois, de montrer des trucs, mais en fait, on voit rien, en fait. Voie du milieu, Gadu, voie du milieu. Ouais, t'inquiète pas, je reviens sur la voie du milieu, mais j'essaie de tourner la caméra. Ouais, sauf si, oh oui, je suis devant lui. Ouais, non, t'étais pas devant moi, là, quand j'ai dû freiner pour. J'étais devant toi. J'ai dû freiner pour te laisser passer totalement, sinon je pourrais t'en voir. Je te garantis. Istanbul découverte. Ah, alors c'était pas Istanbul qu'il fallait aller. Ah merde, c'était où alors? Jamais venu à Istanbul. Ah. C'était pas Istanbul alors? Donc on s'est fait chier à arriver de nuit en me disant tiens, j'ai avoir des belles images à montrer. Mais en fait, on a rien du tout. Ça doit être pareil que dans l'autre ville. Ah, on sort du péage, on sort du d'autoroute. Ah, et on a 15 km, je suppose qu'on est à côté. Il y a encore un peu de pesée là. Attends, pourquoi il y a de la pesée? Pourquoi on sort de l'autoroute? Qu'est-ce qui se passe en fait là? Parce que c'est le GPS, il dit ça. Alors c'est là ou c'est. Oui, c'est là, oui, c'est tout à droite, ça c'est bon. Ah, le péage était fait à droite, ouais, oh oui, là à droite. 109 euros, allez, ça c'est fait. Attention, on va s'arrêter, je suis derrière, tranquille. C'est bon, tu peux y aller. Ça suit derrière en fait, il y a Farah qui est juste derrière, ça. Ah, oh oui, elle s'est fait engueuler par le contrôleur. Ah ouais? J'ai pas vu. C'est marqué, votre camion n'est pas en très bon état, faut y attention. Quoi. Oh, attends, il a 7%, ouais. C'est bon. Ça, je suis pas étonné. Ah, bah, Gagu, j'aimerais bien savoir ce qu'il lui dit du contrôleur. Bah, véhicule accidenté, je puisse 500 balles. Comment le véhicule peut encore rouler? Vous avez des roues en moins. J'ai mon moteur qui cale. Ah. Ok, bon, alors du coup, après, où c'est qu'on va? Tu continues, Jules. Continue ton roi, Gadu. Jules? Oui, pourquoi tu m'appelles Jules? Je suis fatigué. Il reste 7 km là, joueur. On arrive de nuit aussi, hein, sur la carte. J'arrive de nuit sous la pluie en plus. Tu prendras la dernière épingle, Gadu. Et tu. La dernière épingle à droite. Ouais. Alors attends, j'essaie de monter de mon visage pour les vieux. Allez, ça c'est fait. J'ai tapé au plein milieu. C'était pas là. T'as dit à droite, bordel! Mais pas non, au fond, mais à droite. Non, mais.
Alors, allez, heureusement, oui, je regardais Gadju en même temps, c'est à cause de lui. Là. Ouais, alors moi j'ai fait du dégât, c'était le cauchemar. Je voulais montrer en fait ce qu'il y avait derrière au viewer, bah du coup j'ai tapé dans le truc qui me dit Istanbul Mall. Je vois, il y a qui veut dire Mall qui est un supermarché. Centre commercial. Il y a les mêmes sur Unturn. Eh oui, il y a les mêmes sur Unturn. Quel con, j'ai tapé le serveur FP4, oula. Alors, je remets tout ça. On va devoir tourner, je sais pas où. Ici, peut-être. On voit l'arrivée. Ah, du coup, on ira voir ton autre ville, Rick, hein, peut-être en vidéo oui. D'ailleurs. Ça. Ah, oui, l'autre ville vaut vraiment le coup. Oh, peut-être que là aussi. Mais... Une grande ville. Pour le moment, rien d'exceptionnel. Il y a des grandes tours, il y a des bâtiments modernes. Une capitale. Allez, 5 km. Sinon, il y a des jolis trucs. Bah, là, de nuit, le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose. Hein. Tu avais parlé de beaux trucs, et bah, ouais, mais. Du coup, comme on tombe de nuit, on voit rien. Là, à part les immeubles au niveau du mall, c'est tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Et toutes les tours au loin. Ouais, exact. Tu vois que c'est grand, mais bon, bah voilà. Alors, bah, on essaiera d'aller de prendre une petite mission pour l'autre. Pour l'autre ville. J'ai fait une bonne route. Sans trop de dégâts sur le camion pour moi. Pour une fois. Pardon, oui, j'ai pas entendu. Désolé, 7% de dégâts en général. T'as dû reprendre un prêt, n'empêche pour conduire parce que tu consommes plus d'argent du banquier que de ce que te rapporte l'émission, alors s'il te plaît. Hein ? À droite, oui. Je m'en fous, je dis tout au viewer. Arrive à un moment donné où ça va changer. Moteur qui cale, et tout, c'est n'importe quoi. Tu vas aller trop loin, donc je recule, Farah. Mais c'est quoi cette épingle à la con là qui est là? Parce que je vois rien, moi, ce qui est à droite. On n'a pas d'éclairage sur le côté du camion, donc. Très compliqué. Attends, c'est joli ce qu'il y a là, c'est quoi qui est là? Il y a un truc là qui est là, je sais pas ce que c'est. On va faire ça en même temps. Je sais pas ce que c'est, les viewers. Je vais mettre 30 ans à me garer. Le bâtiment qui est là, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est joli. Ah, mais si, il y en a. Il y en a des panneaux. Des panneaux, feux, comme je te disais. Je viens d'en voir, mais il fallait tourner à gauche. Attends, aussi, il faut que j'aille, parce que du coup, j'ai plus de. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Oui. Voilà. Déjà, on va essayer de terminer la mission. Déjà, de réparer mon camion, parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Jamais été aussi accidenté que maintenant. C'est quoi où c'est qu'on arrive là en fait là, je comprends pas, c'est un quartier d'habitation ça. Et il est 23h05, on est en retard, putain. 22h55, on devait aller. Ça, c'est fait. Pourtant, on n'a pas traîné, hein. J'ai du mal à comprendre en fait pourquoi, et des fois, c'est tendu quoi. Non, putain, je fais le mauvais. À chaque fois, je vais dans le mauvais sens là, avec le camion. Allez, c'est parti. Plus 40% d'XP. Si je parle. Alors, où c'est que je dois me garer, moi? Parce que le problème, c'est que je vois rien. Est-ce que c'est pas là que je dois me garer sur le truc de phare? Tout le monde doit se garer au même endroit, c'est la blague? Eh, dis-moi juste où c'est, plutôt que de me mettre la connerie, la stationnement machin que tu peux passer, je voudrais juste savoir où c'est qu'il me faut garer GPS, si vous pouvez juste me le dire. Allez! Bon, du coup, je sais pas où c'est, je pense. Bah non, mais le problème c'est que je vois pas en fait. Je sais pas si c'est où vous êtes, je vois rien. J'ai avancé, tant pis, je vais vous passer à travers, mais faut que je vois déjà si c'est là, parce que c'est pas là, faut que je cherche. Bah tiens, moi c'est juste derrière, ok, autant pour moi. T'es sur la même place que Farah, toi, oui? Ouais. D'accord. Moi je suis devant, donc. Oh, c'est dur. En retard. Et voilà, on a livré en retard. Ouais, mais je sais bien.
Ça, je comprends pas pourtant parce qu'on n'a pas vraiment glandé à part les petits accidents qu'on a eu, mais c'est pas ça qui justifie qu'on est en retard. Arrêtez. J'ai un drôle de bruit des fois quand je fais des marches arrière, je sais pas si. Parce que mon camion est pété. Voilà. Voilà. Là, je pense qu'il va accepter. Ouais, c'est bon, il accepte. Yes. Stop, s'arrête et t'es. Allez, on va voir combien j'ai gagné. Je sens que ça va être le drame. En retard. Ah, si, excellent. Excellent, mais je pense qu'effectivement on est en retard. Ah non, en retard, c'est pas excellent. Ah, c'est bizarre parce que moi il me dit pas que je suis en retard. Rick, t'as de la chance. Level 29, on le met quoi, en juste à temps ou en éco-conduite? Bah, on va tous les finir comme ça. Ouais. Juste à temps. Voilà. Moi en attendant, je vais les réparer vite fait mon camion. Mais j'ai pas le montrer aux viewers parce que je pense que ça va faire mal aux yeux. Donc on va se laisser ici puisqu'en plus la vidéo a été super longue et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez bye bye.